Si la solution est pas là chez Merlin Gerin, je le sens. Ah, il avait pourtant bien calculé son culot de tordu. Quel vicelin. Vouloir supprimer un beau brin de fille comme un petit Eva, si c'est pas une pitié. Mais comment elle est pas morte, la belle Eva? Mystère et prise femelle. Dis donc, camarade, j'y pense, là. T'es de la partie, toi? Ouais, j'ai rien fait, moi. Je veux pas d'ennui, moi, monsieur Marlon. Je sais, ma poule. Allez, approche-toi, n'aie pas peur. Tu vois cette usine à la télé? C'est Merlin Gerin. C'est eux qui fabriquent ça. Quand j'ai vu leur nom sur les appareils, j'ai poussé l'enquête chez eux. Il me semble que c'est ça qui a sauvé la belle Eva. C'est mon flair légendaire qui me le dit. Mais je suis pas sûr, vu que j'y connais rien en électricité, alors. Me gourjoue pas. C'est la question. Dis-moi, tu connais ces appareils-là, ma poule? Alors, je commence bazar. Élémentaire, mon cher Marlon. Hey, t'es un comique, toi, alors? Bien sûr que je connais, monsieur Marlon. Merlin Gerin, c'est eux qui ont inventé cette petite merveille, qu'on appelle le déclic Vigie. Vous saviez pas ça? Hey, ici, petit gars, c'est moi qui pose des questions, ok? Ben, c'est une protection différentielle haute sensibilité. En français, ça donne quoi? Quand vous n'êtes pas équipé avec ça, si vous manipulez un appareil en mauvais état, dont les fils sont coupés ou dénudés, par exemple, vous avez toutes les chances d'y rester. Attends, attends, ma poule. Je crois que je commence à piger, moi. Ce bazar, comme vous dites, réagit à la moindre fuite d'électricité. En cas de contact direct ou indirect avec les fils, hop, ça saute. Et si vous voulez vraiment tout savoir, monsieur Marlon, c'est la nouvelle norme C1500. Ils ont tout prévu, ma parole. Bien, bien. Attends, attends. Si je te suis bien, là, j'aurais dû être dans le noir quand je suis arrivé chez Eva. Non? Alors, pourquoi la lumière était encore allumée? Bah, parce qu'il y avait aussi un disjoncteur général sélectif, tiens. Un quoi? Un disjoncteur sélectif. Si le gars qui a fait l'installation chez elle a bien travaillé, il a mis plusieurs différentiels. Il n'y a que la zone en défaut qui a été mise en circuit. Ah, tu veux dire que si on a plusieurs déclics vigie, on est protégé? Hein? Et qu'on ne tombe jamais complètement en carafe? À condition d'avoir le bon disjoncteur, le sélectif, comme je vous disais. Avec tout ça, vous avez l'assurance de plus jamais avoir de pépins. Ça vous prémunit même contre les risques d'incendie dû à un défaut d'isolement, par exemple. Nous, on appelle ça protéger les biens et les personnes, tout simplement. Protection des biens et des personnes? Chapeau, les gars! Et dis-moi, on fait le même boulot, tous les deux! Oui, monsieur Marlon. Nous deux, on pourrait créer la première agence électro-policière, hein? Affirmatif, petit gars. Dis-moi, la belle Eva peut remercier Merlin Gerin? Ah ouais. Allez, on dit que c'est toi qui fais le boulot? Bah, tiens, je te donne ton premier salaire, je te paye un petit jus. Ah. Tu vas voir, il est super. Un régal. Oh, Dieu, qu'est-ce qui se passe, là? Merci, déclic vigie. J'en ai mis plein votre armoire électrique. Sinon, monsieur Marlon, vous partiez enquêter pour toujours au paradis des privés, hein? Ça roule, ma poule.